Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une très belle journée, peut-être comme moi, en télétravail, avec les enfants, au travail tout court. En tout cas, ça me fait très plaisir d'être là avec vous. Comme vous voyez, on a le soleil et c'est chouette. Hey Nathalie, Estelle, trop bien. Plaisir de vous avoir pour ce troisième cours de samba brésilienne. On va, Charlotte, on va suer comme la semaine dernière, mais pas que. On va travailler le pas de base, on va s'échauffer, on va aussi travailler un peu l'élégance avec des pauses, travailler un petit peu ça, puis se dégourdir les jambes et terminer par un étirement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ah, on a un homme qui est là aussi, Denis. Trop bien. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes là, à nous faire des coucous. Merci encore d'être là au nom de Fit Club. Merci à Fit Club de m'avoir ce soir pour la samba. Merci à Laura, merci à Alexandre. C'est toujours complètement gratuit. Alors, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est d'être présent, de liker, de commenter et d'inviter les gens qui pourraient être intéressés à participer à tout ça aussi. Nelly, bienvenue. Alors voilà, on va commencer gentiment. Important, bon, une tenue, je vous vois pas, mais voilà, une belle tenue dans laquelle vous vous sentez à l'aise, belle et beau, c'est important. De l'eau, parce qu'on va en avoir bien besoin. Et paire de baskets, c'est quand même mieux pour ne pas se faire mal aux pieds. Donc voilà, on va partir gentiment avec une musique que j'ai trouvée lundi, qui m'a fait trop plaisir, de Kassav. Voilà, c'est pas brésilien, mais ça donne envie de bouger, quoi. Donc, on va commencer par l'échauffement. DJ, allez, c'est parti. La tête en bas. Un peu, on tient toujours les abdominaux, bon, pendant tout le cours. Abdominaux, les fessiers, pas les bouts verrouillés, mais déverrouillés comme ça.
Et rapidement maintenant,
Sur des pas de base, sur un temps, deux temps et trois temps, comme vous avez déjà vu. Continuez à bien pratiquer ça pour le cardio et pour aussi aller lentement dans le pas de samba. Je vous rappelle, hein, position, toujours, j'aime bien me rappeler, je pense qu'une fois par semaine, c'est pas du luxe. On met bien les épaules en arrière. Hein? Voilà, on ne se tient pas fermé, mais bien en arrière, même si on n'a pas forcément toujours l'habitude. La poitrine vers le haut, les seins pour Jésus. Hein? Voilà, comme se dirait certains en portugais. On rentre le ventre, les fessiers, on déverrouille les genoux toujours. Hein? On n'est jamais hypertension. On fait attention de ne pas trop creuser derrière le dos.
Il faut être plus neutre pour ne pas s'abîmer le bas du dos. Donc, voilà. On va repartir maintenant. Avance. Point.
fais que passer. Coucou. Et on pose, parce que c'est la fin de la musique.
Super, bravo à vous. D'un coup. Merci beaucoup, ça me fait plaisir que vous soyez là. Bienvenue à celles qui viennent d'arriver aussi. Première fois, Patricia. J'espère que tu vas apprécier. Faire encore quelques minutes, c'est de parler un peu des bras. Donc, la position, comme on disait, toujours bien en arrière. On va y venir, mais mettre les deux ensemble, c'est compliqué. Les pas sont déjà assez complexes, même si je suis sûre que vous en sortez très bien. En fait, les bras vont se croiser. Vous voyez? Tendez-les bien. Hauteur d'épaule, hauteur d'épaule. Et on va ramener d'abord un bras. L'autre bras. Un bras. L'autre bras. Allez. Plus vite. Au prochain maintenant. Allez. Tac. Mais c'est comme ça qu'on apprend bien sur le rythme. Et je dois avouer que comme j'ai fait de la danse classique petite, je pense que ça m'est resté cette envie d'apprendre et de transmettre de manière assez structurée et voilà, un peu comme le classique, quoi. Ça ferme le militaire de temps en temps. Ok? Alors, normalement, je sais pas chez vous, mais ça brûle un peu au niveau des épaules, hein, ici. Si c'est le cas, c'est normal. Si ça brûle trop, vous relâchez. Relâchez. Ça brûle d'ici à là, à peu près. Hein. Normal, relâchez. On va reprendre un petit peu. Relâchez. Reprends. Ah. Maintenant, on va alterner, comme j'ai fait au début. C'est-à-dire, ferme et ouvre en même temps. Ok? Super. Allez, respire. Toujours les abdos serrés, les fessiers. Important. Ok. Descends un peu. Les bras. Continue. Ok. Comme ça, vous avez une idée de comment vont les bras. Et après, suivant, sur quel temps on travaille. Ça sera bien sûr différent. Relâchez. Relâchez. Par exemple, quand on est sur le temps, on le pratiquera aussi la semaine prochaine, on reviendra dessus. Et voilà. Alternez. Quand on fait sur 3, ils sont toujours aussi tranquilles, mais ils ne vont pas avec les hanches ou les pieds. Donc, c'est une histoire de coordination. On doit vraiment isoler le bas du haut, comme beaucoup de danse d'ailleurs, beaucoup d'exercices. Donc, tout ce qu'on fait là, ça nous sert à aller plus loin. Donc, bravo à vous. J'espère que vous sentez un peu vos bras. Voilà, la samba, c'est les jambes, les bras, les abdos, c'est tout. Donc, c'est bien. Je vois qu'Alex s'est demandé pour revenir faire la démo aussi. À vous de voter pour qu'il vienne la prochaine fois. Voilà, j'ai lancé la bouteille à la mer. Buvez un coup. Et maintenant, on va parler, en étant un peu tranquille, de poser. Parce que de poser, c'est important dans cette danse. Je ne sais pas si vous avez vu ma story aujourd'hui. Mais voilà, la samba, c'est
plein de choses. Ça comporte plein de pas, plein de positions. Mais comme vous avez vu, c'est très physique. Donc, on doit aussi se reposer. Et on doit se reposer en posant, en se disant « Ah, je peux souffler. Je peux souffler. » Et puis, c'est le moment où les photographes, en général, sont là. Donc voilà, c'est très utile. Et puis, il y a aussi les moments où on défile. Donc ça, on a pu voir les deux derniers cours un tout petit peu, où on fait d'autres choses. Hein, on a vu certains pas qui nous permettent de relâcher un peu cette samba qui est très, très physique. Donc, pour parler des pauses, moi, j'avais envie de vous transmettre un petit peu aujourd'hui en disant, ben voilà, je vais commencer à en faire sur, on va dire, 4 temps, et vous me suivez. Donc le but, c'est pas de trop réfléchir, essayez de faire comme si j'étais votre miroir, et puis, important, vous-même, là, je vous ai pas en face de moi, c'est dommage, mais je sens votre énergie, vous devez vous dire, je suis belle. Je suis élégante, je suis gracieuse. Et vraiment le penser, d'accord? Comme une princesse, comme une reine, comme une superwoman, super héroïne. Donc faites-le pour vous. S'il y a des hommes qui sont là, vous pouvez le faire aussi. Après, c'est pas grave, ça fait de toute façon du bien, n'est-ce pas? Donc je vais mettre une musique et on va faire ça ensemble. Si tout d'un coup vous lâchez, vous avez envie de faire les vôtres, allez-y.
Alors, comment vous sentez? Bravo à tous en tout cas. J'espère que vous avez apprécié ce petit exercice. Vous avez apprécié, sympa. Si la prochaine fois vous avez un miroir, vous pouvez toujours le mettre à côté de votre ordinateur, de votre télévision, de votre téléphone. Comme ça, vous pouvez aussi vous regarder en même temps et pas que vous concentrer sur moi. Bien sûr, là, ça vous donne des clés sur quoi faire. Après, le but, c'est de tester ça sur votre corps. On a toutes des choses qu'on veut mettre en avant ou cacher. Ça peut être notre belle poitrine, nos belles hanches, nos belles fesses, nos beaux bras, notre port de tête, notre visage. Voilà, quelque chose qu'on aime chez soi, qu'on a envie de montrer quand on danse. C'est important de savoir ce qui nous rend heureux, ce qui fait qu'on se trouve belle et gracieuse. Voilà. Donc, on va partir sur un peu de défilé avant-arrière. Celles qui ont déjà fait auront pu voir. Toc, toc, toc. Buvez un coup pendant ce temps. Je cherche la musique. Et on va bien bouger là. On va reprendre certains pas. Gauche. Avec sur les mains, les hanches.
fortune. Et une fois qu'on sera arrivé au bout, il n'y aura plus de soucis. Tout simple, mais si vous avez envie, rattraper les vidéos qui sont parues les deux dernières semaines, ça vous aidera. Buvez un coup. Allez. Super. Allez. Détends un peu. Qu'est-ce que dit Fanny? Il y en a qui défilent et d'autres qui se défilent. C'est clair. Super. Ouh. Hop là, ma spécialité, me décoiffer. J'espère que comme moi, tu te spécialises aussi. Redescendez un peu. Et on va se faire un petit stretching. Très bien, avec le miroir, ça aide pas mal. Super, vous avez bien fait d'essayer. Il n'y a rien de mieux que de se regarder aussi pour se rendre compte de ce qu'on fait. Hein. Même si des fois au début, c'est pas très agréable. On se dit, ah, pourquoi j'y arrive pas, et puis c'est pas exactement comme ça. Ça se travaille. Troisième cours, vous vous rendez compte, c'est rien. Je suis sûre que vous y arrivez déjà super bien. Allez, on respire bien encore. Et on va détendre un peu tout ça. Allez. Porque yo soy quien
Yeah.
pour cette belle séance. J'ai eu énormément plaisir à partager ce moment avec vous, à danser, à transpirer. J'espère que vous aussi. Et puis je me réjouis, de vous retrouver très prochainement. Et puis bossez votre déhanché, hein. Nathalie dit je comprends pas pourquoi. Allez, on bosse, on reprend les vidéos et on y va. Merci encore. N'oubliez pas de bien vous hydrater, de passer une bonne soirée ainsi qu'une très belle semaine. Continuez à profiter de cette plateforme, de cette communauté Fit Club pour suivre les cours de sport, de yoga, tous les beaux intervenants qui vont aussi venir parler pour vous, auxquels vous pouvez poser des questions. Donc voilà, je vous embrasse et je me réjouis de vous retrouver très vite.